Dans Hems, il y a un ensemble de combinaisons assez uniques que j'apprécie beaucoup. Il y a d'abord la volonté d'aider l'Afrique à envisager son futur en commençant par ce qu'il y a de plus fondamental, apprendre à réfléchir à ce qu'il y a derrière ce que nous voyons dans le monde, apprendre à réfléchir sur des problèmes de sciences fondamentales. Et ces questions fondamentales, elles vont aider les jeunes scientifiques africains de demain à attaquer les problèmes qui se posent aujourd'hui sur le continent. Et de plus, le modèle Ames est un modèle dans lequel il y a une notion de mélange, de mise en contact d'une communauté de manière importante. Les jeunes vont se retrouver ensemble, découvrir qu'ils peuvent se retrouver autour de langages et d'objectifs communs. Ils garderont des liens peut-être les uns avec les autres et une conscience d'ensemble de leur destin, de leurs devoirs certainement. En outre, cela fournit un modèle attractif pour les chercheurs étrangers pour venir enseigner en Afrique avec l'idée que leur action aura un impact le plus important possible. Je l'ai bien vu moi quand je vais tous les ans enseigner à Ames Sénégal et je suis heureux d'abord de retrouver l'environnement idyllique dans lequel ça se passe, c'est important, mais ensuite l'idée que je vais enseigner à des jeunes qui vont laisser une marque un peu partout en Afrique. Et puis l'idée que ces jeunes eux-mêmes interagissent entre eux dans une atmosphère où ils vont se retrouver soudés. C'est important que les jeunes qui sont actuellement en train de se former dans les centres Ames, ou ailleurs d'ailleurs, à des disciplines théoriques, comprennent bien qu'une partie de l'avenir de l'Afrique, ils l'ont entre les mains. Seulement une partie, parce que bien sûr, il y a toute cette extraordinaire puissance en termes de jeunesse et de ressources intellectuelles qui ne demandent qu'à pouvoir se développer et qu'il faut contribuer à épanouir. Et en particulier, on espère bien qu'ils pourront plus tard revenir dans les centres Ames, par exemple, pour faire part de leurs découvertes, pour discuter avec d'autres enseignants-chercheurs et pour aider à former la génération suivante, celle qui continuera à relever les défis. Et puis aussi, il faut se rendre compte que même si l'enseignement théorique, on ne penserait pas a priori qu'il va être le mieux adapté pour résoudre aux problèmes quotidiens qui se posent ici, il faut bien se rendre compte d'abord que certains problèmes complexes, très pratiques, nécessitent une modélisation théorique et une rigueur intellectuelle très importante. Je l'ai vu par exemple dans les recherches de certains de mes collègues à Saint-Louis sur le problème de l'érosion des plages, problème écologique majeur au Sénégal et dans d'autres pays, et qui demande une modélisation fine de l'interaction entre les dunes de sable, l'océan, voire le fleuve. Et tout cela ne peut pas se faire simplement de manière pragmatique. Il faut aussi une dose de théorie. Enfin, il faut toujours se rappeler que la formation dans les sciences fondamentales, ce n'est pas seulement un apprentissage scientifique, c'est aussi un apprentissage de l'esprit. Mettre en place les réflexes de rigueur, d'imagination, de raisonnement abstrait qui serviront à résoudre toutes sortes de problèmes, y compris des problèmes qui n'ont aucun rapport avec la matière qu'on a apprise. Ce rôle de formation qu'apportent les sciences fondamentales est très important dans le projet Ames. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre aux gens à être de bons mathématiciens et de bons physiciens, il s'agit de leur apprendre à être de bons scientifiques, à être de bons citoyens, à être des jeunes prêts à répondre aux défis face à une situation complexe en se disant mon esprit est une arme importante pour résoudre ce problème. Quand j'ai commencé à faire des cours en Afrique, la première fois c'était au Bénin et puis après il y a eu le Sénégal, tout de suite j'ai été frappé par plusieurs choses, mais tout d'abord l'extraordinaire quantité de jeunesse qu'il y a partout autour de l'Afrique, dans tous les sens du terme, avec un énorme réservoir d'opportunités qui va se développer peu à peu dans le futur, peu à peu ou même très rapidement peut-être. Et puis l'autre chose, c'est l'enthousiasme avec lequel les étudiants suivaient les cours, étaient là. Beaucoup se demandaient si vraiment c'était le genre d'études
dans lesquels il fallait se lancer, et puis je répondais sans hésiter, c'est une opportunité extraordinaire quand vous avez la possibilité d'étudier les choses de manière théorique, de vous lancer dans l'étude des sciences mathématiques et physiques, vous avez des clés pour comprendre le monde et pour acquérir tous les réflexes qui vous permettront de faire avancer les choses dans ce continent. Mais j'ajoute vraiment, j'insiste sur le fait, l'extrême jeunesse, l'énorme enthousiasme qui transpirait des étudiants de manière communicative.